Allons voir Sid. Peut-être qu'il saura nous guider. Ah, un bonjour. Une tragédie vient troubler notre homme au soir du firmament. En quoi puis-je t'aider, Clive? Formidable, nous avons de nouvelles informations. Tu veux consulter mon encyclopédie? Reviens quand tu voudras, Clive. Tu es de retour, Clive. Content de voir que tu vas bien. Otto avait l'air très perturbé tout à l'heure. Ah, faites pas attention à moi. Je suis sûre que nous pouvons agir pour changer les choses. Parlons avec Sid. Décidément, c'est toujours animé ici. Ah, on a toute la mort pour être au calme. Avoir un peu d'animation, ça me rappelle que je suis en vie. Alors, est-ce que tu as trouvé les réponses que tu cherchais ? Je ne comprends toujours pas le sens de tout ça. Mon don, mon rôle, ni pourquoi c'est moi qui l'ai reçu. Mais il y a une chose dont je suis certain. Je suis l'émissaire d'Ifrit. Je dois vivre en acceptant ce fardeau. Et continuer de chercher des réponses, même si ça doit prendre toute ma vie. Bien dit. S'accepter, c'est le premier pas vers le salut. C'est une étape par laquelle il faut passer. Quel que soit notre passé, il faut l'intégrer pour se pardonner à soi-même. Sid, je repense à une chose. Tu disais vouloir créer un endroit où les gens pourraient mourir comme des êtres humains normaux. C'est vrai. Quand on y réfléchit, tu veux dire un endroit où les gens pourraient vivre comme ils le veulent. Pendant ces 13 ans, la vengeance m'a fait vivre. Je ne pensais qu'à ça constamment. J'en avais complètement oublié le monde qui m'entourait. À présent, j'ai compris une chose vraiment importante. C'est que, dans le monde où on vit, il est difficile de vivre librement. Ou même d'arriver à mener une existence paisible. Maintenant que je suis conscient de ça, je veux nous forger un nouveau destin. Donc, ce sera ta rédemption ? C'est notre conclusion, oui. Ce sera notre objectif. Par contre, pas question de vous loger gratuitement. Nous le savons. Parfait. Avec Ifrit et Shiva à mes côtés, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que ça va être encore cette fois ? Alors voilà. On va s'infiltrer dans la capitale de l'Empire Sambrequois et fracasser leur cristal. Nous venons d'apprendre que nos champs de grains de l'Est ont eux aussi succombé au fléau.
Depuis quelques années, le fléau progresse à une rapidité qui est alarmante. Il va finir par atteindre la capitale. Le danger pourrait bientôt être à nos portes. Ce ne sont pas ces discussions stériles qui vont nous sauver. Votre Majesté. Nous avons pourtant des terres intactes à portée de main. Nous n'avons qu'à nous servir. Majesté, seriez-vous en train de parler du Dominion du Cristal ? Nous sommes liés par un pacte de non-agression. Aucun des signataires ne peut toucher au Dominion, vous le savez. Les traités n'ont de poids qu'en temps de paix, pas de crise. Mais ce serait un acte de trahison. Nous ne pouvons pas commettre une telle infamie. Quelle que soit la liaison, il va faire ça. Les rues de la capitale grouillent d'ores et déjà de réfugiés qui ont perdu leurs terres à cause du fléau. Dès lors que le fléau nous a privés de nos terres arables, l'approvisionnement futur devient un sérieux problème. Et avec cette guerre insensée dans laquelle vous nous avez engagés, non seulement nous n'avons pas réussi à leur reprendre nos terres, mais nous avons perdu beaucoup de nos hommes face aux Valetois. Un carteron d'incapables qui se désaltèrent tranquillement autour d'une table alors que notre peuple souffre. De piètres modèles de sagesse pour des hiérophantes. Un pays n'est rien sans son peuple. Et un peuple rien sans son pays. Si le fléau noir grignote notre territoire, alors il nous incombe de trouver une solution à cela. Mais, Majesté, je vous implore de revenir sur cette idée. C'est au contraire le moment ou jamais. Le Dominion sera bientôt notre territoire. Telle est la volonté de notre déesse. Vous parlez de volonté divine. Mais comment allons-nous organiser cette offensive ? Et comment financer cette conquête ? Il faudra affréter nos troupes. L'armée sera-t-elle prête ? Nous devons anticiper la réaction des autres nations. Le temps nous fait défaut. Préparez tout au plus vite. Où est Dion ? Son Altesse le Prince se trouve stationné au fort d'Horta. À votre demande, nous pouvons le faire revenir auprès de vous immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Dites-lui simplement de soigner ses blessures avant tout. Nous aurons bientôt besoin de la puissance de Bahamut. À vos ordres. Attends une seconde. Tu es en train de dire que les cristomères sont à l'origine du fléau noir et des terres mortes ? Tu divagues ! Oh, t'es pas le premier à me dire ça. Mais non, pas cette fois. Là où passe le fléau, la terre meurt. Les terres s'évanouissent, et les sols sont tellement taris qu'il n'y pousse plus le moindre brin d'herbe. Impossible alors de faire naître la magie. Comment expliquer ça ? Ça fait des années que j'étudie la question, et crois-moi, je suis maintenant certain de la réponse. Tout ça, c'est parce que les cristomères épuisent les terres du sol autour d'eux. Bon alors, voilà. Pour t'expliquer, ces cristaux fonctionnent sur le même principe. Ils absorbent brièvement les terres ambiantes pour le changer en magie. Et vous savez d'où viennent ces cristaux ? Bah, bien sûr. Ils sont prélevés sur les cristaux mères. Les cristaux ordinaires sont donc constitués de la même matière que les cristaux mères. Mais les cristaux mères
sont immenses. C'est juste des cristaux géants, alors? Pas tout à fait. Les cristaux mères, eux, aspirent de l'éther en permanence et en grande quantité. La seule chose que j'ignore, en fait, c'est où cet éther se retrouve ensuite. Mais on nous enseigne que les cristaux mères sont sacrés, que leur éther est un cadeau divin. L'humanité entière voit l'éther octroyé par le cristal comme un don, comme un bienfait. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, tous se battent pour s'en emparer. La vérité dérange. Alors on veut nous faire croire tout ça. Tu fais allusion à qui, au juste ? Aux dirigeants ? Aux dieux eux-mêmes ? Les cristaux mères seraient la source de tous les maux. Et ensuite ? Ton but n'était pas de sauver les émissaires et les pourvoyeurs ? C'est toujours le cas. Je compte pas renoncer à cette partie du projet. Mais si on laisse faire les choses, les cristaux mères vont changer le monde en terre morte. L'humanité est en danger, et on n'a plus le temps de convaincre. Il faut foncer et agir avant qu'on soit tous morts. Ensuite, on pourra créer ce fameux endroit où les gens peuvent vivre en paix, comme ils l'entendent. C'était ton idée, il me semble. Et pour ça, je suis prêt à briser moi-même tous les cristaux mères, un par un s'il le faut. Alors, vous me suivez ? D'accord, je veux bien te faire confiance encore une fois. Le symbole de ce serment. On sera content de vous avoir avec nous, tous les deux. Allez. Ce projet est insensé. Mais je dois quand même commencer par faire quelques achats. J'ai encore du mal à croire que les cristaux mères sont la véritable cause du fléau. Comment arriverons-nous à convaincre le monde de cette terrible réalité ? Allez, on se prépare, les enfants. C'est signé, maintenant vous avez plus le choix. Pas question de vous défiler. Ah, oh, faites pas attention à moi. Je me repose un peu. Alors, Oriflamme. La Sainte Capitale ? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Réflexion faite, je préfère pas savoir. Vous avez autre chose à vendre ? Ça devrait renflouer un peu vos finances. Voilà pour vous. En parlant d'Oriflamme, il paraît que les routes de commerce partant de là vers le sud ont vu leur trafic plus que doubler. Si vous voulez mon avis, il y a quelque chose qui se mijote. Et ça sent encore plus mauvais que les infusions de Taria. Allez voir Otto si vous voulez en savoir plus. D'accord. Qu'est-ce que tu me veux encore ? Tu veux quoi ? Prendra soin, hein. Voilà, j'ai terminé le travail. C'est tout ? Bien. Ah, un bonjour.
avez l'air bien agité. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère. Ah, Clive, c'est bien ça? Pour tout dire, j'ai égaré plusieurs objets très importants pendant ma tournée. Votre tournée? Qu'entendez-vous par là? Je m'appelle Glenn. En tant que coursier, je livre des missives et divers biens aux habitants du repère, ainsi qu'un peu partout dans Valistea. Mais j'ai perdu plusieurs de mes paquets. Si je n'arrive pas à les retrouver et les livrer, tout le monde risque d'en souffrir. Et le pire de tout, c'est que j'ai aussi perdu une lettre de la plus haute importance. Cid l'attend de pied ferme. Et pourquoi n'allez-vous pas chercher ce que vous avez égaré? Croyez-moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais hélas, j'ai reçu une nouvelle mission urgente et je dois m'y rendre sans tarder. Mais oui, Clive, je pourrais vous demander d'aller retrouver mes paquets. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Bien, si vous y tenez... Merci, Clive. Vous me sauvez la vie. Il suffirait que je retrouve la trace de vos livraisons et que je les récupère, c'est bien ça? Vous avez une idée de l'endroit où elles pourraient se trouver? Je revenais de la nef en passant par le domaine de Golton et... j'ai voulu accélérer le pas par peur des créatures qui rôdaient dans les parages. C'est peut-être là que les paquets sont tombés. Après avoir vérifié le contenu de mon sac, je pense avoir perdu 3 paquets. Si vous voyez des sacs en jute, ce sera certainement ça. Le plus important reste la lettre de Cid. J'espère vraiment que vous pourrez la trouver. Ne vous en faites pas. Qui cherche, trouve. J'espère que vous avez raison. Merci pour votre aide. J'aimerais rester ici pour discuter, mais j'ai une autre mission qui m'attend. Je compte sur vous. Ce n'était pas son jour de chance, on dirait. En route pour le domaine de Golton. Je dois retrouver la lettre avant que les éléments ne la rendent illisible. D'après Glenn, c'est par ici qu'il aurait fait tomber les paquets. Il devrait encore être dans le coin. Un sac en jute. C'est sans doute celui que cherche Glenn. Un autre paquet. Les 3 paquets, mais toujours pas de lettres. Je devrais peut-être aller demander si quelqu'un ne l'aurait pas ramassé. Qui vous êtes? Vous connaissez Messire Quentin? Vous êtes venu nous aider au vignoble aujourd'hui? Non, je suis à la recherche d'une lettre qu'un ami a perdue dans les environs. Vous ne l'auriez pas vue? Non, ça me dit rien. Je vois. Attendez, je pense avoir vu un chien tout à l'heure. On aurait dit qu'il avait comme une feuille de papier dans la gueule. C'était peut-être ce que vous cherchez? Par où est-il parti? Il trottinait en direction de la nef. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un chien errant, je crois l'avoir déjà vu près du village. Merci pour votre aide précieuse. Voilà. Vous
venez voir mes circantins ? J'en ai marre de sentir le poisson fumé. La lettre de Sid. C'est donc toi qui l'avais, hein ? J'ai retrouvé tout ce que Glenn avait perdu. Écoute, désolé, mais tu vas devoir te trouver un autre jouet. Allons retrouver Glenn au repère. Il devrait être content. Qu'est-ce qui peut bien retenir Clive ? Clive, vous êtes enfin de retour. Je suis rentré au plus vite après ma mission. Dites-moi tout, il vous manque des choses, n'est-ce pas ? Retournons-y et cherchons. Je vous ai tout rapporté, ne vous en faites pas. Oh, vraiment ? Les trois sacs ? Et la lettre de Sid ? Oui, ils sont tous ici. J'en reviens pas. C'est un miracle. Merci, je vous dois la vie. J'étais déjà bien embêté d'avoir perdu ces paquets, mais égarer la lettre de Sid en plus de ça, il m'aurait étripé. Cette missive, elle est confidentielle, n'est-ce pas ? Pas du tout, loin de là. C'est sa fille qui lui écrit. Il paraît qu'elle vit dans une contrée lointaine où elle étudie dans une école réputée. Sid attend toujours ses lettres avec impatience. Sid ne m'a jamais parlé d'une fille. C'est le pire papa poule que je connaisse. Et si jamais il avait manqué une des lettres de sa petite à cause de moi, je me serais attiré ses foudres, littéralement. Merci pour votre aide. J'ai même une récompense pour vous. Sid est toujours tellement heureux quand je lui apporte des nouvelles de sa fille. Ça fait plaisir à voir. Mes excuses, jeune homme. J'étais perdu dans mes pensées. Je m'inquiète pour un ami, c'est tout. Il est parti plus tôt et il n'est pas revenu. Et vous savez comme ce monde est dangereux pour les pourvoyeurs. Pourquoi sortir et s'exposer ainsi ? Pour l'argent. Il en fallait. Et il connaissait les risques. Le repère a besoin de fonds pour fonctionner. Caron apporte tout son soutien. Mais ses ressources sont limitées. Mais... vous étiez un soldat, non ? Dans l'armée sambrécoise. C'est vrai. Pourrais-je vous demander un service ? Vous êtes sans doute bien plus doué que moi à l'épée. Pourriez-vous le retrouver ? Je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur lui ? Il s'appelle Randall, et je pense qu'il est allé à la nef. Il travaillait pour Quentin, dans sa taverne. Il faudrait lui parler. Je m'en occupe. Soyez prudent, l'ami, et merci encore. Bientôt les vendanges. Ah, revoilà l'ami de Sid. Je peux savoir ce qui me vaut l'honneur ?
Je cherche un homme du nom de Randall. J'ai cru comprendre qu'il travaillait ici. Cela fait un moment qu'il aurait dû rentrer au repère. Un ami à lui m'a envoyé le chercher. Randall, c'est ça ? Le porteur ? Oui, 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 je le connais. Je ne serais pas surpris qu'il soit encore à la tâche. Il avait de quoi faire. Mais à y réfléchir, je pense qu'il devra en avoir fini maintenant. Je vais voir ce qu'il en est. Vous sauriez où il est allé ? Il devait rencontrer un de mes associés au sud, à la centre de l'Aubert. Et s'il lui était arrivé malheur, j'aimerais que vous le retrouviez, Clive. Qu'on va faire si on rentre sans poisson? Est-ce que ça va ? Cette broche, vous êtes des nôtres. On nous a eus. C'était des hommes bêtes. Randall s'est occupé de les distraire. Je lui avais pourtant dit de pas les combattre. Où cela s'est-il passé ? Un petit peu plus loin, dans la clairière. Pitié, allez voir s'il va bien. Je verrai ce que je peux faire. Retournez à la nef et dites tout cela à Quentin. Allez, 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 allez
Pauvre Randall. J'arrive beaucoup trop tard. Sa dépouille ne devrait pas pourrir ici. Je dois voir Quentin. Ah, vous revoilà. J'ai eu vent de ce qui s'est passé. Alors, Randall n'est pas rentré avec vous ? Quel malheur. C'est ce que je craignais. Il repose près de la porte sud. Vous vous occuperez de sa dépouille ? Bien sûr. J'envoie des hommes sur le champ. C'était quelqu'un de brave. Quel incroyable gâchis. Pauvre âme. C'était un ami de longue date ? Si on veut. Il travaillait dur et accomplissait parfois de dangereuses tâches. Il méritait bien sa paye. Il trimait comme un fou pour aider le repère. Je vais raconter tout cela à Sid. Je ne doute pas qu'il sera peiné d'apprendre la nouvelle. Et je suppose que vous avez connu des jours meilleurs. Je suis navré. Bienvenue à vous. Admirez un peu mes articles. Revenez me voir. Ou non. Comme vous avez l'air très perturbé tout à l'heure. Tu es de retour, Clive. Alors c'est décidé, vous y allez ? Sid se décide enfin à mettre à exécution son plan. C'est pas trop tôt. Et Gab trouve ça trop risqué. Bah tiens. Nous allons d'abord nous infiltrer sur place. Nous partons bientôt pour Oriflamme. Au moins les choses sont en votre faveur. Sambrek se relève à peine de sa cuisante défaite contre les Valedois lors de la campagne de Belenus. Malgré ça, ils repartent déjà, cette fois vers le sud. Une autre guerre ? Ils prétendent que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos, la déesse. Faut justifier les guerres. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. Hasard, les gens sont affairés à tout préparer, ils sont agités et distraits. Avec la pagaille qui règne, je suis prêt à parier que si vous entrez par le quartier des plaisirs, vous passerez totalement inaperçu. Garantie. La difficulté, c'est plutôt d'arriver à Oriflamme. Passer l'octroi. Voilà. Et comme tu peux t'en douter, les contrôles sont renforcés, alors c'est pas simple en ce moment. Mais figure-toi que j'ai la solution à ce problème. Ça ? Ça, tu vois, c'est magique. C'est un laissez-passer très spécial. À Francastel se trouve une de nos partisanes. Je vais lui envoyer un Stolas pour lui demander de l'aide. Quand tu la verras, ce sachet l'aidera à te reconnaître. Elle saura trouver un moyen de te faire traverser. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme ? Eh bien, pour tout te dire, c'est une mère maquerelle qu'on appelle Madame Apolline, une sacrée beauté. Oh oui, c'est une professionnelle, et tu peux me croire. Apolline, c'est compris. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid, ce que je te raconte. Allez, je te retiens pas plus, monsieur l'homme sérieux. Tu me raconteras. Allez pour le voyage. Allons voir Gab. Salut. T'es le nouveau ?
Moi, c'est Gauthier. Bienvenue au comptoir des quêtes. Notre boulot ici est de répertorier les divers incidents qui se produisent dans chaque région en se basant sur les informations que nous donnent nos précieux partisans. Tu connais bien ça, non ? T'as sans doute souvent l'occasion de venir en aide aux gens dans le besoin. Eh bien, ce genre de tâche peut facilement se retrouver chez nous. En tout cas, si résoudre les problèmes des autres t'intéresse, fais-moi signe. Aider son prochain procure toujours un sentiment de satisfaction. Si le cœur t'en dit, je serai ravi de pouvoir coopérer avec toi. Voici les quêtes disponibles. Ah, t'es de chez Sid, toi. Arrête-moi si je me trompe. Dis, tu voudrais pas me filer un petit coup de main ? Ça dépend. C'est pourquoi ? Des pourvoyeurs viennent tout juste d'arriver d'Oriflamme. Il a fallu lâcher une belle petite pièce pour que leur maître accepte de me laisser les emmener. Le type devait être un sacré tyran. J'arrive pas à en tirer un mot. Quand ça veut pas... Ils doivent certainement avoir peur de vous. Ça m'étonnerait pas. Ce serait peut-être différent s'il parlait à un autre pourvoyeur. Dis, tu voudrais pas leur parler ? Les aider à s'installer ? Pourquoi pas ? Merci, l'ami. Dis-leur que tout va bien, et s'ils ont besoin de quelque chose, il suffit de demander. J'y manquerai pas. Merci encore. Ils sont assis juste là. Ils prennent une pause bien méritée, je crois. C'est vous, les nouveaux ? Je peux faire quelque chose pour vous ? C'est bon, ça va aller. Quand on dit ce qu'on pense ici, on ne nous punit pas. Vraiment ? J'ai faim. Ma sœur aussi, on n'en peut plus. Attendez ici. Je vais faire un saut à la taverne. Merci. Ce sera rapide. Reposez-vous en attendant. Bientôt les vendanges. Papa, je veux boire du vin. Je voudrais deux assiettes de ce que vous servez ici. Désolé. Mais c'est pas comme si j'en avais assez pour en distribuer à tous les gens qui passent. C'est pas pour moi. C'est pour des nouveaux venus. Ah, mes excuses. J'avais pas vu la broche. Tu es donc des nôtres. Dans ce cas, tu peux compter sur mon aide. Il y a du pain et du vin, si ça te va. C'est aussi simple que ça. Une broche peut m'ouvrir des portes. Évidemment que oui. J'obéis toujours aux ordres du patron. Comme nous tous. Et Maître Quentin ne voudrait pas que ses invités meurent de faim à la nef. Alors, tu comptes les faire languir encore longtemps ? Prends le nécessaire et laisse-les manger à leur faim. Du pain et du vin. Les pourvoyeurs vont être contents. Tiens, j'ai le ventre qui gargouille. Dis, tu as vu ? Tenez, du pain et du vin de la taverne. Je peux ? C'est vrai ? C'est beaucoup trop. J'en ai jamais eu autant. Bon sang, j'ai l'impression de rêver.
On s'est assis, sans se faire gronder. On a mangé, et mangé plus encore. Je sais. J'en reviens pas. Vous êtes libre. La prochaine fois que vous aurez faim, vous n'aurez qu'à demander et vous serez nourri. Merci infiniment. Merci. On va me passer un de ces savons si je sauve pas cette cuvée. Ah, me faites pas de mal. Attendez, c'est... Ah, vous m'avez fait peur. Je vous ai pris pour un soldat. Si vous êtes un allié de Messire Quentin, vous pourrez peut-être m'aider. Son vignoble, la fierté absolue de la nef, se retrouve infesté de plusieurs guêpes géantes. Et il vous faut quelqu'un pour résoudre votre problème. C'est le moins qu'on puisse dire. On les voit rarement si loin de la forêt. Pas si agressives, en tout cas. Elles ont dû être attirées par l'odeur. C'est pas étonnant. Ce sera notre meilleure cuvée si ces monstres ne dévorent pas tous nos fruits. Mais j'arrive pas à les chasser. Et il m'est donc difficile de faire mon travail. Et si le raisin n'est pas bientôt pressé, j'ose pas imaginer dans quel état sera le patron. Vous m'avez l'air de savoir manier l'épée. Vous voudriez pas aider des amis dans le besoin? Pitié. Allez au vignoble et débarrassez-nous de ces bêtes. Très bien. Je m'occupe de tout. Oh, merci. Vous les trouverez au domaine de Golton, aux portes de la ville. Faites vite. La nef déchue a besoin de ce raisin. Ça doit être le vignoble. Ces insectes ne devraient pas poser problème. Je suis prêt. Fini avec ces monstres. Il n'y a plus qu'à prévenir le vigneron. Bientôt les vendanges. On va avoir du boulot. Ça.
Ces monstres ne viendront plus perturber vos vendanges. Oh, merci. Messire Quentin m'aurait étripé si j'avais échoué. Vous avez mérité un cadeau. Les cuvées du vignoble se vendent à très bon prix auprès des riches et des puissants aux quatre coins du monde. Cet argent nous permet de manger à notre faim et nous assure une meilleure indépendance financière. C'est le patron qui a eu cette idée. Il voulait que les pourvoyeurs puissent travailler tout en étant en lieu sûr. Eh bien, il a pour le moins réussi. Content d'avoir aidé. Je m'assurerai qu'il soit mis au courant. Et quand nous déboucherons nos premières bouteilles, nous lèverons un ou deux verres en votre honneur. D'aide. Je vous ai déjà vu. Vous êtes de chez Martha. À l'aide, par pitié. Que vous arrive-t-il? Je me suis fait agresser par des bandits. Ils sont armés de grandes épées. Ils vont finir par tuer quelqu'un. J'ai réussi à leur échapper miraculeusement. Mais les autres... Oh, aidez-les, s'il vous plaît. D'accord. Je vais vous débarrasser d'eux. Oh, merci. Où sont-ils allés? Ils se sont précipités dans la taverne. J'ai entendu des cris, là. Faites bien attention, d'accord? Ah! C'est quoi cette taverne paumée? Y'a rien qui vaille la peine d'être volé, ici. Hey, c'est que t'as une belle épée, mon gars. Trop lourde, j'imagine. Je propose de t'en débarrasser. Courageux, gars. Il veut se battre. Qu'est-ce que ça vite fait? Adieu. À toi de jouer, mon gars. Je pense que je vais garder mon épée, merci. Le voilà, le héros qui nous a sauvés. Les gens y réfléchiront à deux fois avant de s'en prendre à nous. Je te remercie. Une chance que tu passais par là. Ces sales bandits. Dès que j'ai le dos tourné, ils se croient tout permis, je te jure. Je vois ça. Je pensais que vous aviez des mercenaires pour garder les lieux. Les haches rouges sont là pour surveiller la taverne, oui. Mais ils sont souvent occupés ailleurs, hélas. J'ai du mal à gérer ce genre d'incident. C'est la responsabilité de l'Empire, mais Rosalia est le dernier de leurs soucis. Si les Haches Rouges et moi n'étions pas là, il n'y aurait personne pour assurer la sécurité des commerces ici. Je vois. Vous avez une tâche des plus difficiles. On te doit une fière chandelle. Tu as mérité une bonne récompense. Tiens. Et vous aurez droit à un repas spécial la prochaine fois que vous passerez dans le coin. Bon, on a du pain sur la planche avant de pouvoir ouvrir la taverne. On va devoir te laisser, à moins que tu veuilles te joindre à nous. Notre héros, nettoyeur de la vermine. Ben dis donc, vous traînez pas à ce que je vois. Obligé d'obéir à Cid. Vraiment? Je te savais pas si docile. Oh, sûrement pas autant que toi, Gab. Hein? Ça
C'est le jour parfait pour une petite incursion. Vous êtes prêts? Il n'y aura que nous. En fait, Gab ne vient pas. Nous serons seulement trois, alors? J'ai pas l'intention de les attaquer de front. Le cristal mère de Chef Drac est le centre stratégique de la ville, et c'est un endroit très bien gardé. Je pense qu'on aura de meilleures chances de réussir avec un petit groupe discret. Et si les choses tournent mal, bah, on pourra toujours se transformer. Sidge, j'ai encore du mal à contrôler mon pouvoir. Je ne sais pas si j'y arriverai. D'habitude, la maîtrise d'un primordial arrive naturellement après l'éveil. Mais on dirait que c'est un peu différent pour toi. Bah, au pire, t'as toujours la bénédiction de Phénix, non? C'est vrai, et tu as aussi le pouvoir de Garuda. En plus, je crois me rappeler que tu avais la réputation d'être le plus fin bretteur de Rosalia. Allez, t'es un grand garçon, je suis certain que tu arriveras à te débrouiller seul en cas de pépin. J'espère ne pas en arriver là. On attirera moins l'attention si on fait le trajet séparément. On se retrouvera directement auprès de Francastel. Traînez pas en route. Se retrouver à Francastel. Mais sur place, pour passer la porte, j'ai besoin de l'aide de notre complice. Bientôt les vendanges. Le soleil se couche. Bientôt tout le monde. La route a enfin été déblayée. Ah!
maintenant, trouver cette fameuse Apolline. C'est une prostituée, d'après ce que disait Otto. Ça, c'est un bon jour. Venez voir mon poisson bien frais. Pêché ce matin. Excusez-moi, madame. Tiens donc. On se promène sans maître et on pense s'offrir ma compagnie. C'est osé. Excusez-moi. Mais attends. Je sens bien que quelqu'un t'a envoyé ici avec ce doux parfum. J'aime ces fleurs. Je devine que ce cher Otto s'en est souvenu. Un vrai bourreau des cœurs, pas comme Sid. Qu'est-ce que tu en penses, dis-moi, Clive? C'était bien vous. Tu en as douté? Je suis la patronne de l'établissement La Nuit Galante. Enchantée. Tu es leur nouvelle recrue? Otto m'a envoyé un message à ton sujet. Alors tu vas me suivre. On y va? Dites-moi, vous aidez le groupe, mais... dans quel but? Eh bien... je connais Sid depuis longtemps. Il m'a tendu la main quand j'avais des problèmes, il y a des années de cela. Je n'ai jamais oublié ce geste. Sans lui, je n'aurais pas pu me lancer ici. Alors, je me suis juré de toujours aider les siens en retour. Et nous y sommes. Cette barrière d'octroi est le dernier obstacle avant ton but. Mais elle est presque infranchissable pour un pourvoyeur seul. Mais ne crains rien. On me surnomme la reine de la nuit et te faire passer de l'autre côté me sera très simple. Comment ça ? Disons que j'ai une certaine influence dans ce hameau. Mais si nous réussissons à passer, sache que je te demanderai une faveur en retour. Attendez, quoi ? Les fruits vont finir par pourrir si vous vous décidez. Venez voir nos tapis traditionnels.
Thank you.
toi de jouer, mon grand. Les fruits vont finir par pourrir si vous vous décidez pas. Comment comptez-vous faire? Allons. Tu t'inquiètes beaucoup trop, Clive. Tout va bien se passer, je te le garantis. Ils vont remarquer tout de suite que j'ai une marque sur le visage. Si j'essaie de la cacher, ce sera pire. Mais voyons, Clive, tu n'as nullement besoin de cacher cette marque. Nous allons tout simplement passer la porte normalement. Tu vas me suivre. Bonjour, madame. Vous rentrez à la nuit galante ? Tout à fait. Je dois me préparer pour les visites de ce soir. Et qui est cet homme ? C'est mon nouveau garde du corps. Il est mignon, vous ne trouvez pas ? Mieux vaut être prudent par les temps qui courent. T'en as de la chance, joli cœur. Je vous laisse à regret, très cher, mais j'espère vous revoir chez nous. Hé, attends un peu. Ah, t'es un pourvoyeur. T'as de la chance que Madame Apolline t'ait pris sous son aile, crois-moi. Allez, traîne pas là. Dégage! Tu vois, ça a été. C'était tout juste. J'ai cru qu'ils allaient m'arrêter. Aucun risque. Les hommes en poste ici font tous partie de ma clientèle. Je connais tout le monde dans ce hameau. Tant qu'on ne fait rien de mal, il y a toujours moyen de s'arranger. Maintenant, c'est à mon tour de te demander une faveur. Je t'expliquerai à la nuit galante. On dirait bien que je n'ai pas le choix. Nous veillerons à ce que notre clientèle ne s'en trouve pas trop incommodée. Madame, nous vous attendions. Bonjour, mes très chers. Content de vous voir de retour, madame. C'est très aimable à vous. Bienvenue, Clive. Voici la nuit galante. Grâce à vous, j'ai pu passer la porte, sans encombre. Merci, madame. Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au fait, tu peux m'appeler Apolline. Tu es décidément bien différent de Sid, je m'en rends compte.
Ta droiture fait plaisir à voir. Vous vouliez me demander un service. Pouvez-vous m'en dire plus? Si je peux, je m'en occuperai avant de rejoindre les autres. Mes employés vont se charger de Sid et de la jeune fille. Ça prendra un peu de temps, mais ils passeront. Alors, j'aimerais que tu m'aides à trouver quelqu'un pendant ce temps. Je veux que tu cherches ta tienne. C'est une des jeunes femmes qui travaille pour moi. Elle a disparu. D'après ce que je sais, elle n'a pas franchi l'octroi. Personne ne sait où elle est partie. Je crains qu'elle n'ait eu des ennuis. Décidément, je passe ma vie à chercher des gens. Je vais essayer de la retrouver. Je te remercie, Clive. Oh, et prends ceci. Une preuve de ma confiance. Un pourvoyeur qui se promène seul risque d'attirer l'attention. Cet objet pourrait aider à apaiser les esprits. Je dois passer au fût d'acier pour régler 2-3 choses. Si tu découvres quoi que ce soit, viens me le dire. Commençons par interroger ces dames. Ah, je reconnais cette broche. La patronne vous envoie ? Oui, je cherche une de vos consœurs. Une jeune femme du nom de Tatienne. Alors elle n'est pas rentrée. Si seulement j'avais pu lui venir en aide. Vous l'avez vue avant qu'elle disparaisse ? Ouais, la veille. Elle était très abattue. Elle avait égaré un peigne. Un cadeau de Madame Apolline. Un petit peigne en bois gravé. Un objet sobre, mais elle y tenait beaucoup. Tatienne a perdu sa mère jeune. Pour elle, Madame Apolline est une figure maternelle. Elle était contrariée. Ah, il me vient une idée. Allez voir sa camarade de chambre. Elle saura peut-être quelque chose. Sa disparition a dû l'affecter. C'est elle là-bas sur le banc. Merci. Sa camarade de chambre, c'est peut-être quelque chose. Alors c'est vous, le fameux garde du corps que la patronne a recruté? Je vois qu'elle vous a déjà confié une mission, n'est-ce pas? Je le devine grâce à cette broche. C'est la marque de ses protégés. On m'a dit que vous viviez avec Tatienne, c'est ça? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Cette chère Tatienne... Elle est partie voir quelqu'un et n'est pas revenue. C'était ça. Il s'est passé quelque chose avec lui. Un homme? Un soldat sans bricois. Je le voyais souvent. Ces derniers temps, il n'arrêtait pas de la coller. Il voulait se la garder pour lui tout seul. Il la lâchait plus. Et il ne se limitait pas à la nuit galante. Même quand elle était à l'extérieur, il n'arrêtait pas de la suivre et de l'épier. Tatienne n'a pas osé en parler. Elle voulait pas causer de soucis à Madame Apolline. Elle a préféré prendre sur elle. L'homme dont vous parlez, à quoi il ressemble? C'est très simple. Il a une cicatrice à l'œil droit. Il s'est blessé à l'entraînement. On le reconnaît facilement. Merci beaucoup pour votre aide. Je m'inquiète pour Tatienne. Je vous en prie, retrouvez-la. Puisque c'est un soldat, je trouverai peut-être une piste à la garnison. Tu devrais venir me voir avant de partir. Tu passes à la nuit galante ce soir? Je cherche un homme avec une cicatrice à l'œil droit. Tu te prends pour qui? Je me souviens pas de t'avoir permis de m'adresser la parole, sale marqué. Arrête, regarde! Il a l'approche de Madame Apolline. C'est son garde du corps personnel. On n'a pas intérêt à le froisser. Ah, il n'y a qu'un seul homme correspondant à cette description et son nom est Yannick. Mais je ne l'ai pas vu depuis quelque temps. Si vous le cherchez, il est au Mour. Ça fait déjà quelques jours qu'il y est. Il avait une affaire à régler avec un marchand. D'accord, merci beaucoup. Le Mour est le dernier hameau avant Oriflamme. Mais je devrais passer voir Apolline avant de partir. Il nous envoie toujours nous entraîner. On peut savoir ce que tu fous ici, le marqué? Personne t'a dit que les gens de ton espèce ont rien à faire dans le coin? Tu t'es perdu ou quoi? Va-t'en,
Seuls les soldats de la garde impériale peuvent venir ici. On a autre chose à faire que de s'occuper des esclaves. Je ne comptais pas rester. Oh, j'en crois pas mes yeux. C'est la broche de Madame Apolline que tu portes. Ah, t'es juste venu te pavaner pour montrer que t'es à son service. Et dire que Madame Apolline a refusé notre protection. On me fera pas croire que ce marquet est aussi bon au combat que nos gars. Tu sais que tu viens de me donner une idée? Dis-moi, le marquet, tu veux pas nous montrer ce que tu vaux au combat? Pourquoi nous battre? Ah, tu réponds. Tu sais que nous sommes des gardes consciencieux. Nous devons nous assurer que les employés de Madame Apolline veillent à sa sécurité. Bien. Vous ne me laissez pas le choix. Ah. Eh, je préfère te prévenir. Je vais pas y aller de main morte. Essaie donc de tout donner aussi. Prends le temps nécessaire pour te préparer. J'aime autant que t'évites de raconter que je t'ai pris en traître. Bon, voyons voir ce que Madame Apolline te trouve. Allez, qu'on en finisse. Ah, petit prétentieux. Très bien, tu seras pas déçu. Si tu pouvais au moins essayer de te battre comme un homme digne de ce nom. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, le marquet. D'accord. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu fabriques, Léon? Hein? Ce type-là est vraiment aussi fort que ça. D'accord. En garde, Marquet! Je vais te donner une bonne leçon. Il va falloir donner plus qu'avec Léon, tu sais? On va très vite. Tu vas voir. Tu as du potentiel, ça te fait. Puis-je m'en aller? Incroyable! J'ai rarement vu une telle force. Madame Apolline s'est entourée, mais ça reste un marquet. Voilà qui écorche notre image de soldat. On ferait peut-être bien de retourner s'entraîner, parce qu'on n'a pas de quoi être fier. Sur ces bonnes paroles... Ouais, c'est ça, retourne donc travailler. J'admets que Madame Apolline est bien protégée. Tant que j'y pense, ne lui dis rien de tout ça. Elle n'apprécierait pas que tu te battes. Madame Apolline sait choisir ses employés. Pourquoi ce pourvoyeur cherchait Yannick exactement? Je ne pensais pas trouver un pourvoyeur avec cette broche. Mais si Madame Apolline te fait confiance, puis-je te demander un service? Qui êtes-vous? Je m'appelle Mathieu, et je suis un fonctionnaire de l'Empire. C'est une histoire compliquée, mais j'aide aussi Madame Apolline, et je supervise le bon déroulement de certaines affaires. Tu le sais sans doute bien mieux que moi, mais Sambrek ne traite pas toujours ses pourvoyeurs de la plus décente des manières. Et il y a des gens comme moi qui désapprouve les méthodes qui sont appliquées. D'accord. De quoi s'agit-il? J'aimerais que tu distribues à manger aux pourvoyeurs, car ils sont nombreux à mourir de faim. Ils travaillent sans relâche, bien que cruellement privés de pitance.
et si la faim finissait par les emporter, tous détourneraient le regard. Tels des outils vétustes, on se débarrasse d'eux à l'instant même où ils ne peuvent plus rien faire. C'est une bien triste vie. Et crois-moi, ce n'est pas faute d'avoir essayé de les nourrir, mais cela ne fait qu'attirer l'attention d'un autre fonctionnaire. Alors que si c'était toi, la marque sur ton visage devrait te permettre d'agir, et cela sans te faire remarquer. Bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, merci. Distribue ça, mais sois discret. Tiens, ce n'est certes pas grand-chose, mais ça leur remplira un peu le ventre. Apporte mon présent aux trois pourvoyeurs près de la caserne. Je crois qu'ils en ont grandement besoin. Épuisés, toujours à la tâche, et affamés. Je sens qu'ils sont à bout. Espérons que cela permettra de sauver ces trois-là. C'est triste, certes, mais ne va pas en parler à qui que ce soit. Certains verraient ton acte de bonté pour des objets comme un manque de respect pour l'Empire. Reste prudent à chaque instant, pour tous ceux qui attendent à manger. Oh, et quand tu auras fini, fais-le simplement savoir à l'une des jeunes femmes qui travaillent pour Madame Apolline. Et vous, qu'allez-vous faire? Je retourne dans l'ombre. Je travaille à l'abri des regards. Le succès de cette tâche ne dépend plus que de toi. Encore des pourvoyeurs. Le train est forcé. Je dois agir au plus vite. J'ai quelque chose pour toi. Je ne pensais pas que je pourrais manger. Merci. J'avalerai ça plus tard. Je peux pas manger ici. C'est toujours comme ça? Il y en a pour qui c'est encore pire. Sans ce coup de pouce, nous on serait déjà morts. Gardez le courage. Tu comptes attendre que ça guérisse tout seul ou quoi? Magne-toi! Je ferai mieux de revenir plus tard. Mais à peine remis. Clive, est-ce que tu as appris quelque chose? Oui, une ou deux choses. Oh, Tatienne, il fallait m'en parler. Et ce Yannick? Il a lui aussi quitté les environs, curieusement. D'après ce qu'on m'a dit, il serait parti au Mour pour aller voir un marchand. Je vais aller me renseigner sur place. Clive, tu sais, si tu te rends au Mour, il faudra faire attention. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, simplement que le traitement des pourvoyeurs est encore pire là-bas qu'ici. Même un homme comme toi pourrait avoir des ennuis. Et en plus, comme la capitale est toute proche, tu aurais tout intérêt à faire profil bas et éviter les incidents, à mon avis. Mais il me vient une idée. Une fois sur place, tu vas aller voir Bertrand. C'est un de mes amis. Je suis sûre qu'il pourra t'aider. Va le voir de ma part. C'est compris. J'irai voir ce Bertrand. J'ai un cadeau pour vous. Ça vient de Mathieu. Merci.
cacher le camp. C'est mieux. Vite. Fainéante, tu t'octroies des pauses? Ravive donc ces flammes. Et toi, qu'est-ce que tu fiches ici? Rentre chez ton maître. Du vent, je veux pas de tir au flanc chez moi. Allez, dégage! Laisse-moi respirer! T'as intérêt à bosser plus vite la prochaine fois où je vais t'étriper! Tenez, voilà de quoi manger. De la part de Mathieu, c'est ça? C'est dommage. J'ai encore beaucoup à faire. Je dois y retourner ou ça ira mal. Vous ne vous reposez jamais? Me reposer? Je ne suis rien d'autre qu'un outil à leurs yeux. Je passe mon temps à prodiguer des soins. Vous devez prendre soin de vous. On verra. Peut-être plus tard. Merci pour tout. Je dois prévenir une employée d'Apolline que cette tâche a été accomplie. Quelle horreur. Ce n'est vraiment pas une vie. Bonjour. Vous venez pour les affaires ? Ou le plaisir? Les affaires, mais pas les miennes. Une personne m'a fait distribuer à manger. Ah, il a fini par trouver quelqu'un, alors? Il a bien choisi. Il n'arrêtait pas de dire qu'il se sentait surveillé de très près depuis quelque temps. C'est donc quelqu'un d'important. Et il occupe également une place de choix parmi tous nos clients. C'est un habitué influent, et pour le moins généreux. Malgré sa position, il trouvait injuste le traitement des pourvoyeurs. Je comprends mieux maintenant. Il s'est mis à aider Madame Apolline. Elle n'a pas eu à lui forcer la main pour qu'il se mette à distribuer des rations aux affamés de la région. Il dépense forcément moins de guil ici, mais les pourvoyeurs ont enfin de quoi se nourrir. C'est aussi bien, non? Effectivement. Heureusement qu'il est là, hein? Comme ça, la patronne aide les esclaves. Les pauvres, ils en ont bien besoin. En parlant de Madame Apolline, elle compte beaucoup sur vous. Oui, je l'ai bien compris. Je ne te vois plus à la nuit galante ces derniers. Dites, vous! Oui, vous! Je vois que vous arborez la broche de Madame Apolline. Vous devez donc travailler pour elle. Aurais-je l'audace de solliciter votre assistance? Contre rémunération, bien sûr. Et qui donc suis-je censé assister? Oh, je suis confus. Mon nom est Étienne, marchand indigent, mais fort riche de la confiance que lui a accordée Madame Apolline. Les affaires m'appellent derrière ces murs, mais les gardes, alertés par mes allées et venues, me surveillent. J'ai donc grand besoin qu'une âme charitable s'y rende et agisse selon mes souhaits. Madame Apolline répond de vous. Aussi me semblez-vous tout désigné pour ce travail? Ne voudriez-vous pas aider un honnête homme qu'on empêche d'œuvrer? Pourquoi pas? Fabuleux! La tâche est assez simple. Franchissez ces murs et remettez ces paquets que je destine à certains de mes clients. Ils sont au nombre de 3. Un quincailler, un herboriste et une marchande d'alcool. Vous n'aurez qu'à leur dire que vous avez ce qui était convenu.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, rien de dangereux. Il s'agit d'articles que nos amis de l'autre côté du mur tueraient pour avoir. Surtout, veuillez vous abstenir de fouiller la marchandise. C'est à mon avis plus sûr. Beaucoup plus sûr. Qu'est-ce que tu viens faire ici, le marqué? Casse-toi! Allez! J'ai un paquet de la part d'Étienne. C'est ce qui était convenu. Eh ben, fallait le dire plus tôt. Vite con, mais que je vais pouvoir oublier. Pour un temps, au moins. Désolé pour tout à l'heure. J'ai assez mal réagi. Attends-moi ici. Tiens, tu diras à Étienne que je tiens toujours parole. Du parfum? Va pas le perdre, surtout. Ça coûte un bras. Vous n'en trouverez pas d'aussi beau ailleurs. Je parle pas au marqué. Certes, mais tu vas m'écouter. On m'envoie pour apporter ce qui était convenu. Tu dois être nouveau. Où est passé l'autre marchand, Étienne? Je le remplace, car ces temps-ci, les gardes du coin le surveillent d'un peu trop près. Bien. Donne-moi mon dû et détale. Mais c'est... un peu trop léger. Le marqué, si jamais je découvre que tu t'es servi... Si tu n'en veux pas, je le reprends. Cesse de dire des sottises. Tu n'as pas l'air de tenir plus que ça à ta langue. Tu as de la chance d'appartenir à Étienne, sans quoi je te l'aurais déjà arraché. Prends ça. Range-les et déguerpille au plus vite. Des cigares? Ces cigares valent plus que ta pauvre vie. Sois-en conscient. Tout a l'air si bon. Avant toute chose, j'ai absolument rien à te vendre, que tu puisses me payer ou non. C'est compris, j'espère? C'est Étienne qui m'envoie. Mais alors, tu dois être son marqué. Voyons, t'avais qu'à le dire. Bon, fais vite, avant que les gardes nous voient. Voilà quelque chose qui va bien me soulager. Et ceci est pour Étienne. Mais c'est de la liqueur. Ça, tu l'as dit. Et pas n'importe laquelle. La meilleure, celle qui ravira les vrais connaisseurs. Les gardes adorent ça. Et ils t'en priveraient sans hésiter. Tâche de rester vigilant, compris? Si Étienne l'apprécie, dis-lui qu'il pourra en avoir à nouveau. Contre-paiement, bien sûr. Bien sûr. Parfum, cigare, liqueur. Ce type aime vraiment le luxe. Cette marchandise, suffirait-elle à lui payer tout ça? Il n'y a qu'une seule manière de le vérifier. Tu devrais venir me voir avant. Tiens, vous revoilà. Ces articles sont pour vous. Formidable. Madame Apolline sera ravie. C'est certain. Mais le serait-elle autant si elle savait ce que vous avez dû donner en échange? Vous parlez des cristaux? Allez-y franchement, mon garçon. Pourquoi m'avoir caché la vérité? Voyez-vous, le choc de la découverte aurait pu modifier votre comportement. Je ne tenais pas à ce que vous attiriez l'attention des gardes.
Croyez-moi, il y a beaucoup à perdre dans le commerce illégal de cristaux. Je pense notamment à ma propre tête. Et si vous avez accepté ce travail en ignorant les risques, eh bien, j'ose dire que cela nous a été à tous bénéfique. En parlant de risques, prenons nos trois amis de l'autre côté. Eh bien, ils n'ont pas hésité à sacrifier des articles de premier choix contre de minuscules morceaux de cristal. Les cristaux sont donc si rares, même ici. C'est presque un euphémisme. Et l'on se bat même pour en posséder de ridicules fragments. Voyez-vous en moi une sorte de monstre froid profitant de la misère d'autrui ? Je crois que vous le faites, car votre conscience vous y autorise. Ça oui, et j'imagine sans peine Madame Apolline m'applaudir. Vous avez été très professionnel. Grâce à vous, j'ai obtenu ce qu'il me fallait, et sans que les gardes ne l'interceptent. Je vous remercie, et notre ami en commun voudra très certainement en faire de même. Il y a même des produits d'Almec. Une autre dure journée de fini. Il n'y a vraiment que de la vermine de l'autre côté.
expédions ça vite. Tiens, on dirait le même que dans le repère. Il ne se passe rien. De guet sans bréquoise. Voilà qui est intéressant. Qu'est-ce que vous faites là ? Les étoiles jugeront !
Allez! Oriflamme, combien de pourvoyeurs devront encore souffrir pour remplir tes greniers?
Apolline dit que le Moor est un endroit assez peu hospitalier, et que les pourvoyeurs y sont particulièrement rudoyés. Expédions ça vite. Il suffit de passer la porte de Lord Ali pour entrer dans Oriflame, mais il y a des contrôles à l'entrée. Allez, on va d'abord rejoindre Cid. Bon, achetez ou partez. À la prochaine. Chloé, on s'est toujours bien occupé d'elle. Mes parents la nourrissent et moi je joue tout le temps ici avec elle. Mais elle a disparu et je ne sais pas du tout où elle est. J'ai peur qu'elle soit allée se promener et qu'elle se soit perdue. Tu voudrais bien m'aider à la retrouver? Je ne peux rien te promettre, mais je vais regarder. Tu peux me la décrire? Sa robe est un peu sale. Parce qu'elle ne fait pas bien sa toilette. Mais elle obéit quand on lui parle. Et elle est vraiment très bien élevée. Ça m'inquiète qu'elle ne soit pas rentrée. Je sais qu'elle aime se balader dans les champs de blé. Si ça se trouve, elle a perdu son chemin. Elle doit être affamée en plus. Il faut que je lui donne sa gamelle. Retrouvons-la vite. Elle ne doit pas être loin. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je ferais mieux de demander si quelqu'un a vu un animal errant. Excusez-moi, auriez-vous une minute à m'accorder? Non, mais tu te prends pour qui, toi? J'espère que c'est pas ici qu'on t'a appris à parler comme ça. C'est ton maître qui t'envoie? Essaie de t'expliquer clairement que je perde pas mon temps avec toi. Une fillette m'a demandé de l'aider à retrouver sa petite Chloé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Chloé, tu dis? La nouvelle chouchoute de Lisette, c'est ça? Je l'ai justement vue se balader autour du moulin, celle-là. Elle est sale et dégoûtante. J'ai déjà dit à Lisette qu'il fallait que ses parents attachent cette Chloé. Elle finit toujours par partir en vadrouille. J'imagine qu'il s'agit de ce moulin. Allez, va-t'en d'ici maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Tu n'es pas assez sale pour être la Chloé que je cherche. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? On dirait que la meunière pique un roupillon. Peut-être qu'elle a vu Chloé avant de s'endormir.
cadavre d'une pourvoyeuse. Chloé, j'étais sûre qu'on te retrouverait ici. C'est quoi cette histoire? Allez Chloé, finis la sieste, c'est l'heure de rentrer. Tu m'écoutes? Pourquoi tu t'es déjà changé en caillou? Je t'ai presque pas fait utiliser la magie. Et puis moi, je t'aimais plus que les autres Chloé que j'ai eues avant. Rien que parce que t'étais beaucoup plus jolie. Maintenant, va falloir que j'attende que la Chloé de papa puisse plus travailler pour lui, pour que j'en aie une autre. Est-ce que tu réalises ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu comprends que ton amie est morte? Qu'est-ce que tu racontes? Et les Chloé, ça meurt pas. Bien sûr que si. Chloé était elle aussi un être humain. Avoir une autre Chloé ne te ramènera pas celle-ci. C'est comme si tu perdais tes parents ou un être cher. Qu'est-ce que tu dis? T'es méchant! Je suis sûr qu'au fond, tu sais que c'est la même chose. Tu sais que tu ne reverras jamais ton ami. Mais... je voulais pas que ça finisse comme ça, moi. Les pourvoyeurs ne sont pas des objets. La mort peut les emporter, comme elle peut emporter n'importe qui. Tu aimais vraiment ton ami, n'est-ce pas? C'est justement pour ça que tu dois accepter sa mort, et ne jamais oublier qui elle a été. Oui. Vous pourriez avoir la décence d'attendre la fin des moissons pour me claquer entre les doigts. Oh, pourvoyeur, ici, vite! Tu es en retard! Que faisais-tu? En retard pourquoi? Ils ne t'ont rien dit ou quoi? Une bête sauvage s'en prend à mon fils! Alors, ne reste pas là à flâner! Va l'aider! D'accord. Où est-il? Oh! Ils m'ont envoyé un pourvoyeur qui en veut cette fois. Il est après la route, plus bas, près de la côte. Vite! Débarrasse-nous de ce monstre! Pour quelqu'un dont le fils est en danger de mort, il n'avait pas l'air trop inquiet. Bon, les questions, ça sera pour plus tard. Je dois retrouver cet enfant. Le méchant loup va me manger! Une voix d'enfant, mais où est-il? Recule, je vais me barrer. C'est tuer notre loup. Ton rôle à toi, c'est de mourir. Père va te corriger s'il l'apprend. Les pourvoyeurs ne gagnent jamais, tu as tout gâché. Comment ça? Ton père m'a dit qu'un monstre t'attaquait. Un pourvoyeur qui parle. Ne me regarde pas comme ça, j'ai fait comme père me l'a dit. Il t'a dit de faire quoi? T'as pas le droit de parler. Et je vais le dire à mon père. Le loup les a eus, c'est certain. Mais ce n'est pas la bête qui est à blâmer. Le père et le fils sont derrière ça. Ils vont m'entendre, ces deux-là. Viens ici! Tout de suite! Mon fils m'a tout raconté. Tu as massacré son pauvre loup, et tu as le culot de revenir! C'est bien ça? Et puis d'abord, pourquoi es-tu encore en vie, pourvoyeur? Vous êtes là pour nous distraire, rien de plus! On veut juste que vous finissiez dans la gamelle du loup. Quelle ordure!
Vous nous avez envoyé mourir. Voilà, je vous l'ai dit, il parle encore. C'est pas normal, je l'aime pas, père. Tu n'es pas le pourvoyeur que j'ai acheté, n'est-ce pas? Comment oses-tu me tromper? Bon, tu vas aller me chercher ton maître immédiatement. Ah non, il est hors de question de laisser passer ça. Vous voulez donc que j'aille chercher Madame Apolline, c'est bien ça? Je peux lui demander de venir. Même si je doute qu'elle apprécie l'interruption. Quoi? Madame Apolline? Ah, si je venais à m'opposer à elle... On fait moi le malin. Dites-moi, vous êtes-vous mis à la place de ces victimes? Pouvez-vous imaginer leur peur, leur douleur? Écoutez-moi bien, on ne doit pas s'amuser avec la vie d'autrui. Compris? Ne refaites jamais une chose pareille. Père, il me fait peur. Tu penses nous menacer, Marquet? Apolline ou pas, je ne tolérerai pas une telle insolence. On va acheter un nouveau loup, un plus costaud, un plus féroce? Bien sûr, mon fils. On va m'en apporter un autre. Un loup sauvage qui a des crocs acérés, assez puissants pour lui arracher la tête. Bon, je perds mon temps. Ils vont sûrement jeter les corps des pourvoyeurs. Comme si c'était de vulgaires ordures. Ils méritent d'être enterrés. Combien de pourvoyeurs ont perdu la vie pour cet amusement ignoble? Encore d'autres victimes de leur jeu. Vous devez être Clive. Comment connaissez-vous mon nom? Apolline. Je suis à son service. Tout comme vous. C'est toujours aussi difficile, enterrer les morts. Vous devez faire ça à chaque fois? Apolline demande que les corps ne soient pas laissés aux corbeaux. Pourriez-vous me donner un coup de main? Bien sûr. C'était mon intention. Qu'ils puissent trouver un repos éternel. Alors, c'est donc vous qui avez tué leur loup? Exact. Mais il compte s'en procurer un autre rapidement. Et quand il sera là, d'autres gens périront. Comment peuvent-ils n'avoir aucune considération pour nos vies? C'est simple. Pour eux, vous n'êtes pas humain. Pour ces nobles fortunés, les pourvoyeurs ne valent guère plus que des jouets, des outils tout au mieux. Quand ils n'en veulent plus, ils les jettent sans aucun scrupule. Mais un tel comportement ne reste pas toujours impuni. C'était leur voix? Sûrement. Un loup reste, une bête sauvage. En laisser entrer un, c'est prendre le risque de l'avoir à la gorge. Quelque part, c'est un peu la même chose pour les pourvoyeurs. Même réduits en esclavage, ils gardent leurs crocs. Qui sait s'ils ne décideront pas un jour de se révolter et de s'en prendre à leurs oppresseurs eux aussi? Quoi qu'il en soit, ces deux-là ne provoqueront plus de morts inutiles. Merci, Clive. Voilà pour votre aide. Ce n'est pas nécessaire. Prenez tout. Et puis qui sait, j'aurai peut-être encore besoin de vous. À la revoyure.
Ils ont vraiment beaucoup de choses. La récolte a été bonne. C'est vous, Bertrand? J'ai besoin d'aide. Je connais cette broche. C'est cette chère Madame Apolline qui t'envoie, j'imagine. Alors dis-moi, c'est pourquoi? Je suis à la recherche d'une de ses filles, dont elle est sans nouvelles. Est-ce que vous connaîtriez un marchand qui fait des affaires dans ce village? Je cherche un de ses clients. Il y en a quelques-uns qu'on voit venir au hameau sur la route de la capitale. Et l'un d'eux a eu des mots avec un soldat, tout récemment. C'est sûrement lui. Je m'en doutais. Écoute, tu as de la chance. Il est encore au hameau. Tu dois pouvoir le trouver en cherchant un peu. Mais avant ça, un petit conseil. Même avec ta jolie broche, évite de faire des vagues tant que t'es ici, le marqué. Je veux bien t'aider un peu, mais je pourrais pas te sauver. C'est compris. Marqué. Seul? Où est ton maître? Il t'a bien mal éduqué, dis donc. C'est Madame Apolline qui m'envoie. J'ai quelques questions pour vous. Quoi? Oh, c'est Apolline qui t'envoie? Il fallait le dire tout de suite, enfin. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir, exactement? Vous n'auriez pas vu un soldat avec une cicatrice à l'œil droit, par hasard? Il est passé au hameau, paraît-il. Oui, c'est exact. J'ai vu cet homme. Il m'a apporté un vieux peigne sali en me demandant de lui en vendre un plus beau. Il comptait l'offrir à une demoiselle qui lui plaisait. Alors je lui en ai proposé un, mais comme il ne voulait pas l'acheter au prix demandé, il a essayé de marchander. Il s'est montré si insistant que le ton a fini par monter. Enfin, je n'ai pas cédé, et j'ai même réussi à lui en vendre un au prix fort. Quand on est marchand, il ne faut pas se laisser impressionner. Et vous sauriez où il est allé après ça ? Maintenant que j'y pense, il a parlé d'aller retrouver sa belle près des ruines célestes. Ce rendez-vous avait l'air très important. Je vous remercie. Ce n'est rien, et puisque c'est une demande d'Apolline, c'était avec plaisir. Ah, et je compte sur toi pour lui dire, compris, que je t'ai donné un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Cette odeur ne me dit rien qui vaille. Oh non! Talgor, il faut qu'on les chasse d'ici et vite! À moi le Ce sont des corps. Deux corps. Ce sont ces loups qui les ont attaqués. Ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir.
Le peigne, c'est Tatienne. C'est bien elle. Oui, c'est la femme que Yannick fréquentait. Ce pauvre Yannick, vous l'avez retrouvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir comme ça? Vous, nous nous sommes parlé à Francastel. Après notre conversation, j'ai commencé à m'inquiéter pour Yannick. Du coup, je me suis mis à sa recherche. C'est elle que vous cherchiez. Pas vrai? Oui, Madame Apolline me l'a demandé. Comme vous avez dû l'apprendre, Yannick était très épris d'elle, et c'était un homme jaloux. Quand il a vu ce peigne qu'elle chérissait, il s'est mis à s'imaginer des choses, et à être jaloux de celui qui le lui avait offert. Il voulait lui acheter un peigne encore plus beau que celui de son rival imaginaire. Mais ce peigne, c'était un cadeau d'Apolline. Il était convaincu qu'elle aimait un autre homme. Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Visiblement, il a pris son peigne et lui a donné rendez-vous ici. Malheureusement, il y avait des loups. Oui. On ne saura jamais s'il voulait seulement discuter ou s'il y avait autre chose. Est-ce que tout ça devait si mal finir? Présentez mes condoléances à Madame Apolline. Je vais faire emporter la dépouille de Yannick. Et celle de Tatienne sera rendue au sien. Vous êtes sûr? Cette histoire n'est pas très glorieuse pour nous. Je vais faire en sorte que cet incident soit géré avec discrétion. À propos, Madame Apolline était au Mour tout à l'heure. Elle vous cherchait peut-être? Saluez-la de ma part. Apolline est au Mour. Que je lui annonce la mauvaise nouvelle et que je lui rende cet objet. Regarde ce pourvoyeur parler de moi. La récolte a été bonne. Vous savez que j'aurais... Je suis contente de te voir vivant. Je voulais t'avertir que Sid et ton ami sont arrivés chez nous. Ils te donnent rendez-vous dans la petite chapelle à l'est d'ici. Je vous remercie, mais ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici pour ça. À propos de Tatienne... Oh, tu l'as retrouvée? Je vois. Ma pauvre Tatienne. Il arrive qu'une passion trop intense brûle entre un soldat et une de mes employées, malheureusement. Cela complique une relation qui devrait pourtant être très simple. Comme tu peux t'en douter, ces histoires finissent toujours mal. J'ai trouvé ce peigne auprès de Tatienne. C'est le vôtre, il me semble. Merci pour tout, Clive. Nous lui offrirons un enterrement des plus solennels. Je vous laisse. Attends, Clive. Tu vas à Oriflamme, n'est-ce pas? J'ai une information pour toi. C'est que... un de mes clients issus de la haute société sambrécoise m'a parlé d'une rumeur troublante. D'après ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, tout porte à croire que l'empereur s'apprête à abandonner la ville avec son armée. Comment ça, abandonner? L'armée impériale est coutumière des offensives contre Valeud. Mais cette fois, c'est différent. Il semblerait qu'elle se prépare à un mouvement général d'évacuation. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est quand même très inquiétant. Reste prudent. Compris. Merci du conseil. Mmh.
Désolé du retard. On vient juste d'arriver. Je suis allé jeter un œil et ça se présente mal. La capitale grouille de soldats. Et peut-être même que certains me reconnaîtront. Alors je pense que le mieux à faire, c'est de passer par derrière. Soyez pas coincés. Si j'ai choisi cet endroit, c'est pour une bonne raison. La sécurité. Vraiment, j'ai vu plus discret dans le genre. Donc, c'est quoi le plan ? On passe par la mine de cristal. Ce soir, quand tout sera calme. Tu penses au quai de déchargement ? C'est un endroit très bien gardé, bien plus que la frontière. T'as tout compris, monsieur, l'ancien soldat impérial. En fait, je connais un raccourci qui nous mènera au cristal. Tiens donc. C'est marrant, depuis le début, tu m'as l'air bien renseigné sur l'endroit. T'en sais même plus que moi, on dirait. Disons que... j'ai déjà tenté le coup auparavant, pour tout te dire. Je me suis retrouvé face à l'émissaire de Bahamut et j'ai dû prendre mes jambes à mon cou. Mais bon, passons. Sid, si ce que tu as dit sur les cristomères et le fléau est vrai... Si ? Comment ça, si ? C'est juste que c'est bizarre. Il doit y avoir d'autres personnes que toi qui sont arrivées à la même conclusion, non ? C'est pas compliqué. Les nations et les pays se sont formés autour de ces cristomères miraculeux. Tout est parti de là, historiquement. Alors ils risquent pas de révéler qu'ils sont la cause du fléau. Ça n'arrangerait aucun d'entre eux. C'est pour ça que les bons patriotes nous font disparaître en nous taxant d'hérétiques. Parce que nos vérités gênent les puissants. Des hérétiques. D'un autre côté, les pourvoyeurs sont très précieux pour eux. Ce sont des outils pratiques, de leur point de vue. Pouvoir utiliser la magie sans cristal est un don exceptionnel. Et ça leur fait des économies. Mais ils savent pourtant ce que ça nous coûte au fil des années. Nos corps se changent en pierre et on finit par mourir. Personne ne pleure sur le sort d'une flamme qui vacille. Ou d'une bête de somme. À leurs yeux, on n'est rien de plus. Les cristaux, le fléau, les pourvoyeurs. Nos sorts sont liés. Pour briser la roue du destin, il faudrait changer les mentalités. Mais je pense que ce monde n'est tout simplement pas assez mûr pour ça, malheureusement. Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. C'est tout. Peut-être. Mais détruire un cristal mère serait un crime aux yeux du peuple. Nous deviendrions des renégats. Sid le renégat. Ouais, ça me plaît bien. Pour toi, voir ta tête mise à prix, c'est une plaisanterie. Allons, fais pas la tête, Jill. Ça me glace le sang quand tu me foudroies du regard. Si j'inscris mon nom dans l'histoire en devenant un renégat, je me dirais que ça valait la peine de se battre. Bref, j'ai sécurisé l'accès au quai, mais on pourra pas rebrousser chemin une fois qu'on y sera. J'espère que vous êtes prêts. On va prendre les choses en main.
Ils sont moins nombreux que d'habitude. Ils ont dû réduire les effectifs et envoyer des gardes au front combattre les Valdois. Ça arrange bien nos affaires. On verra ça. T'as peut-être pas que des mauvaises idées, finalement. Je veux savoir ce que t'insinues, juste. Que la dernière fois, ton fameux raccourci grouillait de sales bêtes et de sales types. On s'en est tiré, c'est ce qui compte. Faut bien un peu de piment dans la vie, parfois. À vouloir que tout se déroule sans accroc, tu vas finir par vieillir avant l'heure. On sait quelque chose, hein. Life, tu sais, ce sont parfois les petits pépins qui provoquent de grands changements dans l'existence et nous font mûrir. Il faut saisir le moment. Se jeter à l'eau, se lancer, c'est ça qui rend nos vies palpitantes. Se jeter dans la gueule du loup et en réchapper de justesse, j'appelle pas ça rendre sa vie palpitante. Un commentaire ? Non, rien. Et donc, tu peux nous faire un point sur le plan ? Eh bien, on va briser le noyau du cristal mère, comme prévu. Normalement, le cristal doit s'effondrer de lui-même, sans son noyau. Alors je crois que je devine où tu veux qu'on aille. Tu as tout compris, dans le sanctuaire dédié au noyau du cristal mère. Par là, suivez-moi. Essayons d'être discrets. Oui, on sait.